Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis trop surexcitée, je vais vous montrer mes 5 calendriers de l'Avent. Je suis trop surexcitée de vous les montrer et de l'ouvrir enfin le 1er décembre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'en Insta Story je vous montrerai tout jour après jour ce que j'ai eu en petit cadeau. On les ouvrira ensemble donc c'est plus sympa et vous verrez vraiment ce qu'il y a dedans. Et je pense aussi vous faire un ou deux spoils d'unboxing pour vous montrer un peu et vous dire un peu si ça vaut le coup par rapport au prix ou pas. Bref, j'arrête de discuter, je vous montre ça de suite. Du coup c'est parti pour les 5 petits calendriers de l'Avent, j'ai trop hâte. Bref, j'ai rangé ça du moins cher au plus cher parce qu'il y en a qui sont quand même assez onéreux. Je tiens à préciser quand même que les calendriers beauté en général c'est assez onéreux parce que les produits en soi sont assez onéreux. En général il y a des super beaux contenants etc. Ça dépend tout simplement de la marque que vous achetez. Je commence d'abord par un qui est pas de la beauté mais ça reste dans le thème youtubeuse beauté. C'est le Yankee Candle, il est magnifique cette année, ça fait plusieurs années que j'ai envie de me l'acheter. Mais j'ai jamais vraiment sauté le pas et là je me suis dit allez je me le commande. Je l'ai commandé sur le site Yankee Candle France il me semble, s'il est encore dispo je vous mettrai en barre d'infos. Il y en a deux cette année Yankee Candle, il y en a un qui est un petit peu moins cher qui est à 29,90€, enfin 30€ en gros, où il n'y a que des petites chauffe-plats. Et celui-ci qui est la version premium entre guillemets qui est 10€ plus cher donc qui est à 39,90€ il me semble, bref 40€. Et il se présente comme ceci, je le trouve magnifique, c'est bien parce qu'en fait il est grand. Mais sans trop, c'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de place, là, parce que vous allez voir que ça, ça prend de la place. Quand vous n'avez pas trop de place, ben, je trouve ça pratique. Si vous aimez Yankee Candle, je trouve que 40€, c'est voilà, assez... voilà, c'est cher 40€, mais chez Yankee Candle, la bougie est à 40€, donc j'ai envie de dire que ça vaut le coup quand même. Il s'ouvre comme ceci. Et je vous l'ai montré sur Instagram, regardez, il est magnifique. Donc il y a 24 cases tout simplement. À chaque fois tu vois s'il y a des petites chauffe-plats et des votives. Parce que la différence avec celui-ci c'est qu'il y a des votives. Et moi j'aime bien, je préfère, je trouve que ça sent un petit peu plus. Et puis les petites chauffe-plats, enfin tu les brûles assez rapidement. Là tu vas avoir le petit emballage avec la petite étiquette Yankee Candle et tout. Donc trop cool. Et juste ici il y a un petit cadeau, donc il n'y a pas de chiffres, mais il y a je pense normalement un petit bougeoir, un petit photophore, donc trop cool, c'est un petit cadeau en plus. Pareil, tout ce qui est accessoire chez Yankee Candle n'est pas donné, donc ça fait un petit cadeau en plus. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans vraiment, je vous mettrai de toute façon le lien du site où je l'ai acheté ou un autre site s'il n'est plus dispo. Et juste pour vous dire, en gros il y a du coup des petites chauffe-pas et des votives, il y a 12 parfums, dont 4 nouveaux de Noël, donc voilà, ça permet de tester et après pourquoi pas les racheter en grand. Je le trouve très très joli, très noélique et c'est ça que j'adore. Ensuite on passe à celui de chez Sephora. Celui-ci il est trop mignon. Franchement la collection de Noël de Sephora, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais elle est trop kiki. Par rapport aux années précédentes, moi l'année dernière je l'ai trouvé vraiment pas joli. Et celui-là il est tellement beau, regardez c'est mes couleurs rose et blanc. En plus il y a un petit renard trop kiki. Donc celui-ci il est au prix de 39,95€, mais avec la carte Sephora vous l'avez au prix de 29,95€, donc au lieu de 40€, 30€, et franchement qui n'a pas la carte Sephora? Donc il est vraiment magnifique cette année, franchement la collection de Noël est trop trop belle, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là ce rose, ce blanc, j'adore, c'est trop mes couleurs, trop trop beau. Et là ce petit renard, cette petite mascotte cette année est trop beau, franchement l'année dernière je le trouvais horrible, en plus plat etc. Là la forme est super sympa, ça vaut trop le coup parce que quand tu calcules le prix des produits à l'intérieur, c'est vraiment top. Ça je pense que je vais vous faire un unboxing pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, franchement trop cool et vous pouvez le retrouver dans tous les sports. Ensuite celui que je voulais absolument, c'est celui-ci, celui de chez NYX, je pense que vous en avez entendu parler. Il est au prix de 49,90€, donc 50€, et vous avez 24 produits lèvres. Si vous êtes fan de produits lèvres, si vous êtes fan de rouge à lèvres, je vous conseille de foncer. En plus il est magnifique, regardez, avec plein de petites bouches. Vous avez toutes les couleurs juste ici. Ce qui est bien, c'est que ça permet vraiment de découvrir la marque au niveau des lèvres, puisqu'il y a des lingeries, il y a des butter gloss, il y a des liquid sweat, enfin il y a vraiment toutes les gammes, il y a plein de couleurs assez sympas, dont des couleurs un petit peu excentriques, tendance, etc. Comme un gris il me semble, ou un petit peu kaki, enfin bref, vraiment trop trop belle couleur, j'ai trop hâte de l'ouvrir celui-ci. Je le trouve très joli, mais petit défaut pour moi personnellement, je trouve qu'il fait pas du tout Noël, il représente beaucoup NYX et il est vraiment très très joli, mais il fait pas noélique comme les autres qui, voilà, ça donne vraiment envie d'être à Noël. Mais bon, trop trop beau et franchement celui-ci pareil, il est assez, assez plat, c'est que des produits lèvres, donc à voir, de toute façon je vous montrerai ça sur Instagram. Ensuite l'avant-dernier c'est le Rituals, il est énorme. Donc là je suis désolée, je l'ai pas,
je n'ai pas mis le haut du sapin, mais voyez, il est en 2D comme ceci. Hop, il est magnifique, je l'ai acheté sur le site de Sephora au prix de 59,90€ il me semble. Je crois qu'il n'est plus disponible sur le site Sephora, de toute façon je vous mettrai le site Rituals. Pareil, cette année Rituals en a fait deux, celui-ci qui est le premier prix qui est en 2D, parce qu'il est plat, et ils ont fait aussi un 3D, donc c'est-à-dire que tu construis ton sapin et tu mets les petites boules, etc. Je préférais carrément celui-ci, je crois qu'il est à 20€ plus cher, mais celui-ci je l'ai passé avec les moins de 25% chez Sephora, puisque le premium il n'est pas sur le site Sephora, ce qui est trop dommage, mais en tout cas ils sont tous les deux magnifiques. Ça me permet de tester Rituals parce que j'ai jamais vraiment testé, j'ai juste eu un petit coffret. À ce que j'en ai vu, à ce que je l'ai lu, parce qu'on voit quand même sur le site Sephora 2-3 petits visuels, il y a des petites bougies, il y a aussi un petit peu dans toutes les gammes, donc ça c'est top, je suis pressée de l'ouvrir. On voit que les cadeaux sont vraiment là parce que c'est très lourd et vous voyez il y a plein de petites formes un peu différentes. Il est noélique plus, je trouve que c'est franchement l'un des plus beaux. Il y a un haut comme ceci pour former vraiment un sympa. De toute façon je vous le montrerai dans mon dernier haul, si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i et je vais vous montrer de toute façon monté. Il est magnifique, quand je l'ai reçu je me suis dit mais what, c'est quoi ça, je le voyais pas du tout aussi grand, il fait quali. En plus il y a un suremballage avec un gros nœud Rituals et pour un cadeau c'est génial. Le dernier c'est celui qui coûte le plus cher mais c'est le tellement merveilleux The Body Shop. C'est celui-ci, regardez, il est magnifique, ça fait plusieurs années que j'en veux. Ça c'est chez The Body Shop qui me l'a envoyé et j'étais tellement contente, j'en voulais absolument un. Chez The Body Shop cette année il y en a 3, un à 55, un à 85 et un à 120€ il me semble. Celui-ci c'est le plus gros, à 120€, j'étais trop contente, il est magnifique, j'adore The Body Shop, ça te permet aussi de tester d'autres produits ou des produits que tu aurais jamais osé acheter et après pourquoi pas les racheter en plus grand. Donc trop contente, je suis tellement contente de celui-ci, il est tellement magnifique. De toute façon je vais vous l'ouvrir, est-ce que je peux vous l'ouvrir comme ça, est-ce que vous allez voir quelque chose. Donc en plus l'emballage est magnifique, hop, regardez, il est tellement beau. Pour la petite info, il n'y a pas 24 petits cadeaux mais 25, il y a une case 25 donc c'est trop cool, tu as un petit cadeau en plus. Après avoir bien mangé le 24, tu te réveilles en te roulant de ton lit et tu peux ouvrir ta petite case. Bref, celui-ci, il faut absolument que je vous fasse un unboxing parce que déjà j'ai envie de l'acheter depuis que je l'ai et voilà, faut que je vous montre cette beauté quoi. Donc voilà mes chats pour les petits calendriers de l'Avent. J'ai trop hâte d'être le premier, d'avoir mon sapin, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme je vous l'ai dit, je vais ouvrir tout ça en Insta Story tous les jours, comme ça vous partagerez avec moi la petite ouverture et les petits cadeaux. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu, j'espère que vous allez pouvoir à temps avoir les petites merveilles comme ceci, parce que je sais que ça part très vite et que c'est vite en rupture de stock, mais c'est pour ça qu'il faut l'acheter le plus tôt possible. Moi le Rituals, quand je l'ai vu sur le site Sephora en nouveauté, je me suis dit allez je le commande, ça fait très longtemps que je l'ai, mais j'étais tellement contente. Pareil pour le Hanky Fundle, j'ai eu de la chance en fait, pendant 2 jours ils avaient remis du stock et hop je l'ai commandé parce que je me suis dit sinon je ne vais jamais l'avoir. Enfin bref, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.